Parcours a donné quelques gages de bonne volonté, quelques gages qu'elle est capable de respecter la loi. On va voir dans la suite. Maintenant, au parquet général de la République, de respecter l'arrêt de la cour et de mettre l'honorable Ewanga effectivement en résidence surveillée. Il faudrait que nos politiciens se réalisent qu'ils sont des hommes comme les autres et que personne n'est au-dessus de la loi. Et je crois que si nous fléchissons à ce niveau de l'application de la loi, dans les cadres de dérapage et de manifestations, comme je l'ai dit tout à l'heure, de différentes formes de délinquance dans la sphère politique, nous risquons de rater le rendez-vous de la démocratie.